Bonjour à toutes et à tous, bande de petits naturalistes. Aujourd'hui, en cette période estivale, nous allons sur le terrain pour observer et parler un peu des champignons. Suivez-moi, c'est parti! En France, il y a environ 4000 variétés différentes de champignons, dont une centaine seulement sont comestibles. Les champignons poussent quand toutes les conditions climatiques sont favorables, comme la température et l'humidité ambiante. Les carpophores, les parties visibles du champignon qui se trouvent à l'air libre, sont des parties qui servent à la reproduction du champignon. La pousse des champignons se fait très vite. La rosée des prés, par exemple, peut pousser en une seule nuit. Certains champignons sont très utiles à la forêt, comme les champignons de la famille des saprophytes. Ils puisent le carbone dans les débris végétaux, tels que les souches d'arbres morts, et débarrassent donc la forêt et les milieux boisés. Merci d'avoir regardé la vidéo, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air. Et si vous allez cueillir vous-même des champignons et que vous n'êtes pas sûr de leur comestibilité, n'hésitez pas à aller voir un pharmacien, il vous éclairera beaucoup plus là-dessus. Sur ce, prenez soin de vous, peace, à une prochaine vidéo.